La question étant maintenant, on fait quoi? C'est... Je sais pas, on est censé faire quoi après un jeu, hein, après un truc pareil? Là, je vais aller voir Edgy pour la curiosité, parce qu'il y a Pookie qui m'a conseillé d'aller voir Edgy. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie quand t'as fait un truc si incroyable? Que Elden Ring. Oui, on va y penser, quoi, évidemment, mais bon. Ah! Ah oui! Ah oui, Edgy, il est pas en forme! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dormir? Ah non, je suis en plein marathon recalage, je sais que Xelano, tu rigoles, je pète le feu là moi. Père cinéraire. Autour d'IG. Il y a un cadavre de je sais pas quoi, on dirait une augure. Non, c'est un assassin? J'en vois un. Ah ouais, pauvre IG. Ah oui, deux, ok. Donc en fait, il y a les assassins des deux doigts qui sont venus essayer de l'assassiner, je suppose. Ils ont réussi, effectivement. Il y en a trois, attends, où est le troisième? Moi, je sais ce que je vais faire avec les replays. Non, mais on reste en live, hein, pour le coup, hein. Un. Ah oui, trois. Bah là, moi, je vois pas ce que je peux faire d'autre, hein, pour le coup. Je pense qu'on est bon. Ah tiens, je vais aller voir vite fait là-bas. Non, pour à la fin tout ça. Ah oui, ça, je comprends bien. La fin de l'âge des étoiles est très belle en tout cas. Là, la question qui va se poser en vrai le chat et vous allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter. Là pour Elden Ring. Je vous dis, on va continuer, je pense que j'ai pas envie de jouer à autre chose en vrai là. Je me vois pas jouer à quelque chose d'autre. Vous voyez, je me vois pas aller... Tu fais des gens sur Malenia. Oh non, c'est le pire idée ça. Si, justement, je vais aller prendre les chiens et on va les bouffer. Alors, si je suis content, ce mausolée. J'ai tué tous les boss du jeu, pourquoi le mausolée ne m'active rien? Non, moi je pense que là. T'es sûr de ton truc, toi? J'ai l'impression que quand on les consomme, c'est baisé, hein. Pourquoi ça? Est-ce que mausolée, je peux rien faire? Ah, j'en ai dupliqué que 3. Alors, Esprit Ancestral Royal, Rennala et Godric. Oui, non, mais là, ce mausolée, y'a rien là. Je suis un mausolée de glace. Tu peux pas l'avoir. Non. Y'en a un côté sur le cassage, j'en rappelle même pas. Non, en gros, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on part sur Guts ou est-ce qu'on fait un New Game Plus quand même sur le match, histoire d'enchaîner des fins? Les mausolées, c'est que les souvenirs. Je vois pas comment j'aurais pu rater ça, moi. Balek. C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'on passe sur Guts ou est-ce qu'on... je vais vous mettre ça au vote. Hein. Vote Twitch. Hein. Comme ça, j'en profite pour aller faire à bouffer et sortir le chien. Parce que là, je vous dis, je me vois pas jouer à autre chose. Je me vois pas jouer à quoi que ce soit en fait. Même commencer une nouvelle aventure. Vous voyez, par exemple, si vous faites le point exclamation jeu. Attendez. Hop. Si vous faites le chat point d'exclamation jeu, vous allez voir donc la liste des jeux. D'ailleurs, allez voter hein, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Je sais, je vous casse les pieds, mais c'est pas grave. Vous aimez ça. Sur le point exclamation jeu, donc les jeux moi, qui m'intéressent à faire. Donc on a Tell of Arise, FF15 pour l'instant, donc il attend. Red Dead 2, non. Red Dead, c'est un gros truc historique. Death Gun, non. Outer Worlds, non. Witcher 1 et 2, j'ai pas du tout. Pas du tout envie pour l'instant. Hollow Knight, non. Dragon's Dogma Dark Horizon, ça je suis très chaud, mais bientôt. Et on va pouvoir ajouter Tiny. Enfin, Tiny, je vais le faire. Bref, j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle aventure là maintenant. Parce que je suis en plein dedans. Je pense que j'ai envie de rester dedans. Écoutez, on va faire un vote simple. Si ce cœur tu peux le mettre en place avec le temps max, je crois que c'est 10 minutes. Je vais en profiter pour aller faire un truc à manger. Et pour aller. Faire un truc à manger et pour aller sortir mon chien. Donc les deux propositions sont simples. Soit on fait du NG+ sur le mage. Pour faire d'autres fins, enchaîner vraiment, on refait un run rapide, hein, voire plusieurs, hein, parce que ça rend quelques heures, hein, le matin les runs. Donc soit on fait ça, sur Gandalf, et ça se trouve, je peux même aller respé, vous voyez. Ou on peut faire une respé complète, aussi, sur le mage, hein, tenter les choses. Je lui ai beaucoup de choses sont faisables. Parfait. Soit on continue sur Guts. Soit on continue en fait la run Guts, pour l'exclamation Guts, pour ceux qui savent pas. Voilà. Moi les deux me vont, je sais pas ce que je préfère.
D'un côté, je suis très curieux de voir d'autres fins. D'un côté, j'ai envie de continuer de souiller le jeu avec mon Guts. Voir que, si quelque chose arrive à arrêter mon Demain ou Invoke de Magie. Donc les deux me vont très bien. Si on fait Null Game Plus, on peut passer à autre chose que Mage pour changer un petit peu. Ou on peut rester en Mage et souiller les mobs, c'est toujours rigolo. Voilà, donc on verra ça en fait si vous choisissez Null Game Plus avec le Mage ou si vous choisissez Guts. Voilà, on... Voilà, voilà. On va revenir à la table ronde. Et on va... Je prends pas tout de suite la nouvelle aventure, comme ça je pourrais aller à tout moment respect en fait, voyez, devant Renala. Je pense que moi j'ai plein de builds hein, qui m'intriguent un peu, qui peuvent être sympas à tester hein, pour un New Game Plus. Hein. Je manque pas de l'arme larvaire. Hein. Voilà, la suite, NG plus sur Gandalf, c'est en tour de Guts, voilà. À vos votes, le chat. Je vous laisse en quadracam. Petite pause, donc j'en sais bouffe, je sors le chien. On se retrouve d'ici un bon quart d'heure. Vous avez 10 minutes pour voter, je crois, c'est le temps max, il me semble. Vous avez le temps. Et voilà, de toute façon, on a remarqué un temps au quel âge. Donc, voilà, on continue. À tout de suite, le chat. Soyez sages. Et re tout le monde. On a eu le temps d'en papoter avec Pookie pendant qu'on sortait Bibou. On a eu des idées pour faire un truc sympa sur le new game. Alors attends, déjà on va regarder un peu les trophées. Alors les trophées, suivi les trophées, oui. Donc cercle d'Eden. Ah bah ça c'est le voilà. Arme légendaire, donc déjà je les ai pas toutes. Affiché et détail. Sorcière incantation, je l'ai pas. Talisman légendaire. Esprit légendaire, il m'en manque aussi visiblement. Je suis à combien actuellement du jeu? Je suis à 71% quand même, hein. Pas mal. En un run, c'est pas dégueu. Ouais. Atteindre la fin Seigneur d'Elden, je pense que c'est la fin basique. Putain, il y a plus de gens qui ont fait la fin de Rani que la fin Seigneur d'Elden. Non, c'est la mort de Rani, je pense. Tu sais qu'elle est ultra prisée sur internet, hein. Ouais, allez, tous les trucs full porno, etc. quoi. Bah, c'est ça, ouais. Seigneur de la Flamme Exaltée. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Alors, viens voir. Attends, on parle des trophées. Ricard, Malenia. Ah, Yamog en trophée. Lui, je peux pas te dire. Lui, je peux pas te dire. Lui non plus. Ouais, j'en ai eu effectivement 3 à Pharaon Mazula. 3 à Pharaon Mazula et... Ah, je suis en train de checker dans ce qui est dans les trophées qui me manquent. Arme légendaire, esprit légendaire, sorcellerie, talisman. Ouais, non, il manque quasiment que là, là. Une waifu et 4 bras, normal en même temps, le pouvoir de la waifu. Non, c'est ça, tout ce qui me manque, c'est les armes, esprit, sorcellerie, talisman. Et 2 fins. Alors il y a plus de fins que ça, mais en trophée il n'y a que 3 trophées de fin. Donc la fin classique et la fin exaltée. Donc ouais, on peut peut-être le platine ce week-end, le chat. Hein. Avec guide et tout, hein, voir avec votre aide, hein, mais on va faire ça, hein, clairement. On va rester tranquille là-dessus. Quel jeu en tout cas. Quel jeu. Alors j'ai une idée de build. Mais il faut voir un peu, attendez, parce que j'ai les compos et tout. Je crois que j'ai encore plein d'âmes, on va pouvoir les utiliser. Non, tu m'emmerdes, toi. On va pouvoir les utiliser, le chat. Toutes ces belles âmes, là. Je réfléchissais à une spé un peu... pour changer un petit peu. Basée... Alors, attendez, on va essayer de trouver ça. Sur les autres, la magie de sang. Libère un essaim d'insectes, c'est ça, c'est fou ésotérisme. Crée des lacérations de feu. Conjure la flamme sanguine. Il me faudra un peu plus de foi et d'ésotérisme et un bon saut, quoi. Je me dis que ça pourrait être fun pour changer un peu, quoi. Après, ouais, je peux vite aller faire Renala, hein. Ça va être très rapide. Parce que là, je vais les souiller, les boss. Hein. Mais c'est vrai que ça me branche bien, ça. La partie saignement, je la trouve plutôt cool. Parce que là, je me dis, en fait, c'est pas intéressant ici de faire genre un samouraï ou autre, parce que vous savez, je suis en astrologue. Donc il n'y a pas d'intérêt en fait sur mes stats de base, je vais être en astrologue donc ça va être chiant. Bon, je réfléchis un petit peu à quel build je peux faire. Ah ouais, j'en ai un, j'ai encore... Oh
Donc 6, 5. Oh là, j'ai de quoi faire. Je me dis que je peux améliorer un saut à fond. Auprès de. On va améliorer un saut, je sais pas lequel encore, mais on va améliorer un saut dans le doute. Auprès de lui, tant que j'ai les âmes. Bon, c'est une arme, alors attendez, voyons voir ça. C'est quoi le meilleur saut, vous pensez? Parce qu'il y en a un qui. Il y a aucun de mes sauts qui scale sur l'ésotérisme, par contre. Ça, je suis un peu tristesse. Accumule un peu de démence, ça c'est stylé. Des ici, flamme des géants, draconique. T'as un saut sur le sang, Pookie? Vous en avez un ou pas, le chat? Vous savez s'il y a un saut qui renforce la magie de sang? Si oui, il me le faut avant que je respé. Et là, dans les armes, est-ce qu'il y a une arme qui scale l'ésotérisme? Stylé. La main agrippée. Regardez un peu. Hein. Qu'est-ce qui scale un peu sur l'ésotérisme dans ce que j'ai chopé? Là. Yudia. Yura. Ah non, Yura, le oui. Okay. Le samouraï. Alors, je regarde un peu tout ce que j'ai qui scale en. Oh putain, j'ai 3 fois. J'ai pas eu de saut qui up la magie de sang, d'accord. Merci. Je regarde un peu hein, ce qui up, ce qui scale sur l'ésotérisme, qui pourrait être sympa à utiliser. Ah. Ah, le un katana. Ah oui, il y a celui-là. Oh, ça, ça pourrait être fun, ça. Il est beau en plus, hein, rivière sanglante. Non, non, alors ça, c'est la sorcellerie de sang et les épines, mais moi, je te parle d'incantation de sang. Tiens, je te montre, attends. Regarde, regarde, Pookie, Pookie. Tu vas voir. Donc, les seins de bouge dont je te parlais. Serre de feu sanguin. Toi, c'est foin à iso. Faveur sanguine. Et lame de feu sanguin. Non, ma droite de feu sanguin. C'est stylé, hein. Et après, ça pourrait me permettre d'utiliser aussi, effectivement, les trucs draconiques. Alors, attends, ça c'est draconique. Le feu ici, c'est foie, 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 foie et que de la foie. 100% foie, le feu pur. La foudre, c'est que de la foie aussi. Après, t'as tous les renforcements. Alors, avec l'inté, voyons voir ça. J'ai cru voir là, non. Avec l'inté. Ah. Donc, on a disque de lumière, le halo, le triple halo. Halo de lumière Radagon, anathème, purification de l'ordre, lame de l'ordre, décret de causalité, décret de régression. Il y a quand même pas mal de trucs avec l'inté. Apparemment, il n'y a pas de saut qui a plus de sang, j'ai vérifié. Je te remercie, Micron. Puis on va se rapprocher du platine. Hein. Et on va changer le titre. Ah, bonne nuit, Socure. Oh, il nous abandonne, Socure. Oh, le connard. Ouais là vas-y pousse un peu les trucs, c'est un peu le bordel là. C'est vrai que ce qui peut être stylé de tester le chat c'est l'aspect draconique. De toute façon ça sera de la foi intée donc bon. Attention à toi, fais gaffe au clavier. Sanguin, parce que moi là le sacré ça n'a jamais été trop mon délire. Ça c'est tous les trucs de renforcement de Pookie. Ça, ça m'intéresse pas des masses, ça c'est rigolo. C'est vrai que l'aspect foudre, bon bah j'aime bien moi la foudre. Hein. C'est vrai que ça, ça a l'air quand même stylé. Hein. Je crois que les votes sont faits sur ton Discord. Oui, mais c'est rigolo, Adar Alex, tu te rappelles notre conversation. Ce qui me fait plaisir, c'est que le chat va dans la même idée que moi. Et ça me fait vachement plaisir. Flamme purifie, moi, c'est ça ce que tu utilises. Ouais. Pardon? Et sinon, il y a l'aspect flamme noire, effectivement, aussi. Tu fais quoi, attends? Vous sortez fièrement le ventre pour projeter une onde de choc en poussant les ennemis. La résistance, c'est gars physique. Et... Ouais. Ouais. En termes de saut, j'ai quoi exactement? Voyons voir ça. Ouais, attends deux secondes. Toujours aussi fun, ouais. T'es toujours sur PC, toi, on est d'accord? Mais il a dû bien évoluer, Cyberpunk. C'est où les sauts déjà? Non, c'est en bas. Trop dedans. Ah, mais merde. Arme corps à corps, ah voilà, catalyseur. Ok. Donc, moi j'ai le flamme exaltée avec la démence, ok. Ordre d'or, ok. Ouais, draconique, je l'ai, le saut de granit. Hein. Ça, ça peut être stylé. Il y en a aucun qui est sur le. Ah, lui, c'est 0-0. Ah merde, oui. Non, flamme des géants. Du culte draconique. Non, non, c'est bien. Ce saut étant imprégné d'or que de foudre. C'est les deux, je pense. Hein. C'est tout ce qu'il y a au dragon rendu. Ah non, la version Stadia est devenue bug la 1.5. Rien qu'avec l'espèce. Ah, c'est une folie. Non, par contre, c'est vrai que rappelle-toi, Pookie, qu'on avait été voir sur Flextra Life. Il y avait deux draconiques. Géant, flamme des géants.
Capitaliser en les incantations de la flamme de géant. Attendez. Déjà, je vais aller voir les deux. Voir. Attendez, j'ai peut-être encore des trucs à apprendre. Auprès de Corinne et auprès de la tortue. On va aller voir ça. Avec les. C'est avec les pères cinéraires. La tortue est vivante. J'ai plein d'âmes là. Autant en profiter. Merde. Ah oh, ok. Acheter ici. C'est ça que je peux mettre toi, n'importe quelle arme en plus 10 parce que j'ai tout ce qu'il faut. Hein, donc. Si je veux mettre une arme en plus 10, il n'y a pas de problème, je peux autant le faire pendant ce run. Alors, Iji. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est un talisman, non? C'est quoi? On va l'acheter. Roger, c'est bon. D, c'est bon. Tops. Les affichés déjà. Et Corinne, ok. Alors, lance de flamme noire, boule de feu noire, déferle aux flammes. Et là, j'ai tout. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai bien à tout acheter ici. Non, c'est peut-être là-dedans. Outils, cendres. Non, là, c'est... il met juste incantation. Ok. Donc maintenant, on va aller voir la tortue. Ce que j'avais filé des bréviaires. Je sais pas si j'avais tout acheté. Et donc, dans Fextra Life. Alors, attends. Général, World. C'est pas trop chaud, ça va? Oh! Non, pas un même employeur, enfin. Je suis un fragile de la bouche, moi. Ça, c'est assez cute ou pas? Okay. Ah, j'ai tout acheté aussi. Ah oui, là c'est la partie foudre. Ok. Radagon et Marikan. Mais quel bordel ça, putain. Ok. Alors attends, équipement. Ah voilà, c'est ça. Incantation. Donc, on a. C'est un bordel. Hein. Ouais. Guren qui m'a bien tout mis. Attendez, il y avait les familles. J'avais réussi à trouver ça sur Fextra Life. Toutes les familles et tout. Mais j'arrive plus à trouver où c'était. Général. Caractère. Non, equipment. Pourtant, c'était là-dedans. Spell list peut-être. En fait, j'avais trouvé un truc avec toutes les familles de sorts, mais je sais plus où c'est. Alors, pour le coup, moi, je le ferai sur PS5. Hein, si je le fais Cyberpunk. Vraiment en route pour un platine. Hein. Parce que là, il met tous les bouquins. Ah oui, ancien Dragon Prayer Book, Dragon Cult Prayer Book, Two Finger, putain. Fire Monk, Assassin, non mais y'a trop de trucs quoi. Ah mais c'est vrai qu'il y a des... Ce qui serait cool, ce serait quand même d'utiliser les... Attendez, y'a un truc que je peux faire dans cette game. Ah j'avais pas vu. Merci pour le follow. Les souvenirs à dupliquer, ouais. Alors, les mausolées. Tu les as notés toi? Tous? On va refaire les mausolées dans l'ordre. Attends, on va faire les mausolées dans l'ordre. Ils doivent être sur la map. On va aller faire les mausolées dans l'ordre. New. Je sais que je l'ai la map. Attendez. On va y dupliquer du souvenir. On va aller faire ça. On va préparer en fait ce nouveau run, le chat. On va faire ça bien. Parce que le but du jeu, c'est de souiller des boss en NG+1 et d'aller faire une nouvelle fin. Alors, merde, c'est quoi les mausolées? C'est dans quoi? Weapon, Waygate, Upgrade, Summoning Pool. Mais il est heureux. Il garde sa petite tête. Car alors, le folie, hein. Il a chié, il s'est en libéré. Ah mon bibou. T'es libéré, délivré? Mon bébé d'amour. Oh là là. C'est pas plus mignon les touchants de la terre pour rien, non? Ah, mausolée. Ok, donc il y en a bien. Pardon? On est samedi, ouais, pourquoi? Pourquoi ça a changé quelque chose? Ah, c'est un peu tard là. Vous en êtes tout alors dans le raid d'ailleurs? Alors il y en a ici pour le coup. On va faire du zone par zone. Il
Mais on est d'accord que les mausolées, faut pas tous les faire tomber, hein. Y a d'autres trucs. Hein. Mais les mausolées, hein, faut pas que taper dans les trucs blancs des pieds, si. Parfois, y a ailleurs que dans les pieds. Et comment tu peux le choper? Faut tirer à distance. Bon. Voilà. T'as la map, là, elle va être bien utile, hein. Parce qu'on va y dupliquer tous les souvenirs. Donc j'ai déjà fait Renala, Godric et l'esprit royal ancestral. Mais il n'y a pas assez de mausolées pour tous les souvenirs par contre, je pense. Yep. On va essayer de se concentrer sur ceux qui me filent des sorts. Alors. D'accord, tu peux juste faire triangle ici logiquement. Alors pourquoi je peux pas utiliser? Ok. Sûrement, mais alors pourquoi je peux utiliser suite glace, toi, c'est qui me perturbe. On d'accord qu'il n'y a pas de mausolée dans les chronames, à part celui-là. Donc Kaelid, il y en a pas non plus visiblement. Liurna, il y en a plusieurs par contre. Ah, Liurna, c'est la teuf. Liurna, il y en a trois côte à côte quasiment. Bibou, Pookie, oh, putain, j'ai appelé Bibou, bordel. On n'avait pas dit qu'il y avait une jurisprudence. Il y a rien à casser. Juste la tête de Lucas. Bon, je crois qu'il bouge encore. Mais t'as envoyé la balle? Oh putain, mais non, mais. J'aimerais ne pas perdre mes âmes. Alors. Il y a des mausolées du long. Ah non, il est en bas. Ok. Donc il y en a un ici. Non, c'est plus au sud du long. Ouais. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Voilà les trois. Je sais pas s'il y en a d'autres en Liurna. J'ai pas l'impression. Ok. Ouais, donc il y a bel et bien plus de souvenirs que de mausolées. Avec les souvenirs, j'ai pas l'histoire légendaire. Peut-être comme ça que. En fait, Pouty a déjà réussi à avoir le trophée en fait de tous les talismans et incantations et sorcières légendaires. Donc, GG. Ni toutes les armes. Et talisman, c'est normal, il y en a déjà un à Farmazula. J'en ai chopé un. Ah! Ça serait troll. Bon. Je suis content, la première run, j'ai déjà bien avancé. Alors! Attends, il est où ce putain de... Il est devant moi, Vizulon. Comment on y va? Ah putain. Ah mais je me rappelle de ce passage, il m'avait rendu ouf. Alors, ok. Ah bah si, celui-là, faut juste taper celui-là. Alors j'ai essayé mais j'ai pas trouvé le... On va déjà tout péter. Putain, pourquoi il bouge pas? S'il bouge pas après c'est le moment de se péter. Oh attends, ça m'étonne. Il bougeait tout le temps ce con. Oh là, mais non mais c'est... Et paf, je suis mort. Ah. On doit vraiment faire le saut là?
Mais je te fais du bien au pied. Ok. Ah. Et où le trou? Oh putain. Ok. Donc. Il y a moyen de voir. Ah oui, puis il faut que je me rappelle de ce que j'ai pris. Hein. Le rejeton, c'est quoi déjà? Ah oui, Astel. Je vais aller sur. Alors. Alors, attendez. Je vais essayer d'aller sur Extra Life, je vais me rappeler un petit peu. Comment ça peut s'appeler un souvenir? J'ai commencé à. Memories, Ashes of War, Talisman, Upgrade, Spirit Ashes, Spell List, attendez, Souvenir, Elden Ring. Alors, jeu.com, non, oh là, Guide Elden Ring, très bien, c'est ça, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a un site pas dégueu? Ah, et voilà. Alors, Ah donc il n'y a pas tout le monde ici, ok. Passivateur, non, la noire, seigneur du sang. Ah j'ai pas tout le monde là, tiens. Ah oui, alors lui, attends, déjà, lui, non, il m'intéressera pas d'une manière ou d'une autre, donc non. Lui. Ah. Ah ouais. Ah, deux incantations, lui. Ah bah oui, alors. Lui, déjà, il y a éclair de mort, et... bah tu l'as fait de toute façon, lui. C'est Vortisax. Donc c'est éclair de... Tiens, ça m'a bien servi pour le boss de fin. Talisman de dragon sacré plus 2, c'était pas dégueu, hein. Donc alors, attendez, j'ai lequel pour l'instant? Déjà, on va vérifier ça. Donc, il file. Éclair de la mort, ça porte très bien, le nom est stylé. Donc c'est de la foudre de... Ah, c'est là. Alors, ah, lance de foudre de Fortisax. Ok, lance éclair Fortisax, ça doit être ça. Je pense que c'est très dégueulasse. Et l'autre, c'est donc éclair de la mort. Donc on va bien copier déjà Fortisax. Voilà. Oui. Ok, donc maintenant il est inactif. Très bien, next, next. Ok. Putain. Est-ce que tu aurais la gentillesse de me ramener un caprice de dieu et une compote, s'il te plaît? Putain, je suis en train de bourrer côté dessert en ce moment. Un délire. Alors, deuxième mausolée, il est juste derrière. Ah, il est déjà enterré. Ah non, il est pas enterré. Ah, il a plein de trucs blancs aussi. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on pourrait sauter. Bon, il a plein de trucs blancs. Pardon? Ouais, juste au-dessus. Hein. Et après, l'autre, il est dans le marais. Et je crois que c'est celui-là avec la tornade. Merci beaucoup, jeune homme. Merci, Alfred. Vas-y, pose. Pour toi. Ok, c'est bon. Merci, Bookie. Alors. Où est la porte? Pardon? Bien sûr. Je comprends. Je le fais. Ah, il en perd moins, déjà. Donc là, on va pouvoir aller prendre... Examiner les dépouilles. Ok, donc on est reparti. Alors, internet. Boum. Ok. Géant de feu, il est où? Là. Une incantation et, un fouet. Alors, est-ce que j'ai pris l'incantation déjà? Voyons voir. Ça s'appelle Brûle aux flammes. Je suppose que c'est un truc de feu. Alors, il y a un truc qui s'appelle eau flamme. Ça m'a quand même. J'ai pas l'impression que ça soit ça. Déferle eau flamme. J'aurais pris le fouet pour l'instant, j'ai pas fait gaffe. Et le fouet, il s'appelle. Le fouet s'appelle. Tresse rouge de géant. Ça se trouve, c'est le fouet que j'ai pris, j'ai pas fait gaffe. C'est où les fouets?
Ah, 13 trousses de géant, ouais. Donc ok, donc on va prendre le géant de feu. Oui. On va avoir encore l'autre incantation. Ok, donc maintenant, c'est celui qui est là-bas. Alors, c'est parti.